Bonjour à tous, ici j'ai été intrigué par la collection Petites Fleurs avec des bouteilles de parfum et des Pokémon dedans. Donc voilà, ici je l'ai commandé sur une application bon marché avec la Chine et la boîte a été malmenée par le mode de transport. Alors, ici en plus, elles étaient pas rangées, point de vue de l'Hort, et je ne vois pas le sigle de Remen qu'il y a sur les autres terrariums. Donc je suppose que soit c'est une contrefaçon, soit en fait ce sont des éléments avec des défauts qui ont été réemballés sous une forme un peu moins bien. Parce que j'ai enlevé les plastiques pour éviter d'avoir cet affreux bruit qui vient du point de vue du micro. Et ce faisant, j'ai remarqué des petits défauts sur les éléments. Ici, il est même pas à sa place. Et j'ai des petites paillettes jaunes, des griffes un peu sur cette... ce flacon de parfum. Maintenant, est-ce qu'ils sont attachés au départ ou pas? Je vous avoue que j'en ai aucune idée. On va peut-être regarder dans quel sens ils nous mettent Pikachu. Parce que faut quand même qu'il rentre. Parce que les détails des figurines sont pas mal, mais il y a des petits manquements, des petits défauts. La joue est un petit peu décalée par rapport aux traits que l'on peut voir. Les pointes ici, où il manque un peu de couleur. Donc voilà, je sais pas, ici vous voyez une petite bulle. Donc j'ai l'impression que la société qui fait les petits éléments pour la firme officielle, les vend. En séparé pour rentrer peut-être dans ses frais, mais du coup voilà, ça reste sympathique comme collection. Et j'avais envie d'essayer de me procurer justement les différents types de terrarium. Que j'ai loupé parce que j'étais pas encore dans cette optique de vouloir me procurer les terrariums. Mais ici j'ai voulu voir si du coup démonter c'était mieux. Voilà, je me demande si au départ il ne devrait pas être plus sous cette forme que sur celle qui est fournie. C'est pas si évident en fait.
Donc, en voyant le dessin, on voit bien qu'il doit être vers le bas. Mais, ah oui, mais peut-être que je ne suis pas... C'est l'angle qui est peut-être mauvais. Parce que vers le bas, il est. Et ici, il a plein de petits points de couleur et tout. De forcer un peu, mais ah voilà, je l'ai eu. Maintenant, avec mes gros doigts, évidemment, retourner la fleur va peut-être être embêtant. Voilà, je l'ai eu. Je me demandais aussi au départ si voilà, on pouvait réellement mettre du parfum dans ces petits terrariums. Vous voyez, il y a des griffes et du blanc ici dessus. Voilà, on voit que c'est un peu du second choix. On en a toujours malgré tout pour son argent. Alors ici, voilà. Ce qui est bien, c'est que le point d'accroche est vraiment le bouchon du flacon. C'est assez cocasse. Et ici, je trouve que c'est assez agréable d'avoir... Oh, Papillusion. C'est pas un Pokémon qui est mis en avant dans les terrariums habituellement. Et ici, par exemple avec l'attaque d'eau parfum ou quoi, je trouve que voilà, il y a ça qui en ressort et que pour une fois c'est sympa d'avoir un Pokémon moins usuel et moins recherché que d'habitude. Par contre, il y a peut-être un autre sens un peu. Apparemment il doit être un peu plus de biais. Ce qu'on va faire c'est... un peu. Voilà. C'est vrai que c'est sympa en fait de voir pour agrémenter un petit peu une desserte ou une coiffeuse. Ça peut malgré tout être sympa.
Hop, on a Evoli. Je comprends pas trop non plus. Il y a quand même une base de 3 Evoli dans cette collection. Je dis pas que c'est mal, je suis un peu surpris. Par contre, alors du coup, je pense que. Ben voilà. Le fait de devoir le passer un petit peu derrière. Et c'est vrai que cet effet du Pokémon qui ressort comme ça est vraiment sympathique. Le concept est plus qu'intéressant. Et on a le même bouchon que pour. Papillusion. Peu de travers. Voilà, je l'ai vu. Vous voyez à nouveau des griffes ici. On va partir sur le trèfle. Est assez sympa aussi comme idée. Par contre, ils auraient peut-être pu mettre la tâche ailleurs que là. Je sais pas. Une question d'un point de vue personnel. Qu'il soit plus ou moins comme ça. Je trouve que voilà, ils auraient pu trouver un point d'attache ailleurs ou autrement. Mais non, il n'y a pas de drame. Là, la représentation en fait est assez. Il y a un petit côté poétique en fait, je trouve, sur ces petites fleurs. Ici, ben, on est déjà aussi sur quelque chose de logique. Ça fait penser un peu aux prémices de Botanical, qui est assez agréable aussi.
Les fleurs qui sont pensées en fonction un petit peu des Pokémon. Et la lavande, je trouve, va bien aussi à Papillusion. Voilà. Par contre, ici, je n'ai aucune idée du type de fleur que ça pourrait être. Hop. Ah ben. Il a les mêmes joies pour Nymphalique. Ah. Ça vient de... Qu'est-ce qu'il y a eu là? Je sais pas pourquoi les... Les évolutions d'Evoli se sont faites avoir, mais elle s'est cassée en fait, je pense. Est-ce que j'ai le petit point? Non, je ne l'ai même pas. Et du coup, est-ce que... Ah si, j'arrive. Voilà. C'est vrai que l'effet est beau. Maintenant, je vous dis le point d'attache. J'aurais peut-être choisi autre chose. C'est vrai que Nymphalie a... Vraiment, vraiment la classe comme ça. Si vous avez une idée des fleurs utilisées, vous pourriez le mettre un petit peu en commentaire. Je vous avoue que j'ai pas trop d'idées. Ici, ben, ça me fait penser un petit peu à la marguerite, pâquerette, bouton d'or, j'aurais dit. Ici, ben, j'aurais dit des clochettes, donc le muguet. Et peut-être une fleur de lotus, mais je vous avoue que je n'en suis pas certain. Ici, ben, la lavande et les gueules de loup, peut-être. Ici, j'ai aucune idée en fait. Je m'y connais pas des masses en plantes. Ici, ben, simplement du trèfle. Très bien utilisé. Ça, c'est vraiment sympa parce que ben, justement, le petit côté chance, les trois quarts des trèfles sont à trois feuilles, sauf un en haut à droite qui est à quatre feuilles. Voilà, je trouve que le concept est sympathique. Et ici, je n'ai non plus aucune idée des fleurs utilisées. Mais voilà, le rendu est agréable des fleurs par rapport aux Pokémon. Si en commentaire, vous pouviez donner peut-être le nom des différentes fleurs utilisées, je trouverais ça intéressant. Voilà. Thank you.